ça tombe bien, viens, viens. Reste s'il te plaît, hein. C'est la première fois que Jules nous joue un morceau en entier sans partition. Oui, non, mais c'est bien, c'est très très bien même. C'est quoi comme musique exactement, j'en connais pas. Enfin, Chatoun, c'est évident quand même, non? Bah non, je vois pas là. Donne-moi un indice. C'est la compris. Quoi? Non mais tu le fais exprès ou quoi? Enfin, c'est du classique, c'est Bach. Enfin, écoute, c'est évident, non? Excuse-moi, mais je vois pas du tout le rapport entre ce couinement de truie et Bach. Bon, Jules, on continue, hein. On revient, on t'écoute. Arrêter le massacre. Je sais pas, il faut lui proposer un autre instrument. Rien. Ah, d'accord. Bon, écoutez, c'est pas parfait, mais il y a un truc quand même. Et puis tu sais comment c'est, hein, c'est en vantant ses qualités qu'on donne confiance en soi à un enfant. On l'a toujours fait comme ça, Chatoun, s'il te plaît. Mais enfin, c'est carrément malhonnête, là. C'est immonde. Il est nul. J'ai fait un chèque de 360 euros pour l'année entière. Mais c'est super bien, Chatoun. Voilà. Tu sais, Rostropovitch, il a un petit peu galéré au début, puis après... Ah, au fait, chérie, ça te dirait que samedi, après le shopping, on aille se faire un petit concert de Beethoven? J'ai eu des places, en fait, par mon CE pour la 5e symphonie. Tu sais? Oui, je connais. Ah, bah voilà. Ouais, mais bon, je le kiffe pas à un point d'aller le voir en concert, hein. Bah, non, mais il est mort, Beethoven, Letty. Ah, donc il annule les concerts. Ouais. Je pense que le shopping aussi, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Malgré ses 134 kilos, François s'impose. Gabi. Regarde, c'est hallucinant. Elle tape sans regarder le clavier. C'est dingue. Ouais, ça commence à me fatiguer. Laetitia, tu décroches un peu, là, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, 5 minutes, là. Courir à la deuxième personne du conditionnel présent. Bah, vite, s'il vous plaît. Tu fais un jeu de grammaire? Bah, tu vois, c'est bien, elle fait un jeu de grammaire. Ouais. Mais non, c'est Paul, il en interro, là. Faut que je l'aide. Quoi? Non mais de mieux en mieux, tu me lâches ce portable immédiatement et tu laisses Paul se débrouiller. Mais non, il va paniquer là, c'est pour le bac blanc, ça compte. Ça compte pour le bac blanc? Oui. Ok, tout le monde en poste. Toi tu vas chercher le Becherel, moi je suis sur internet, tu gardes les textos. Allez, on y va. Go, on y va. C'est parti. Ah, ok, donne-moi les infos, Laetitia, donne-moi les infos immédiatement, j'ai besoin de savoir. Il en est où? On envoie. Plus de PQ. C'est relou, quoi. Prévenez. C'est chiant. I want to die. C'est quoi, ce délire? Yes, pour une fois qu'il fait de l'anglais. Ouais, t'as raison. Stop. Pour Paul. Non, ça va pas là, hein. Ça, c'est pas possible. Maman, je vais faire un dessin pour toi. Oh, merci, mon chat. Ouh là là, mais il est magnifique, ce dessin, dis donc. C'est nous, là? Oui. Et là, c'est la maison? Oui. Oh là là, c'est super, hein, Jules. Il est beau, cet arbre, dis donc. Puis les couleurs, l'harmonie et tout, tu dessines bien. Hein. Oh, c'est beau. Ça me fait plaisir. Maman, oui. Il est complètement nul, ce dessin. J'ai fait exprès de le faire comme un bébé, pour voir si tu mens quand tu regardes mes dessins. Mmh. Bisous, les enfants. Salut. Salut, jolie féline. Qu'est-ce qu'il y a, c'est carnaval? Ah, j'ai loupé quelque chose. Maman a mal compris une consigne. Ça va, Laetitia, je me passerai tes commentaires. Fais-moi plaisir, lis ça. Il y a bien écrit « Venez fêter les 20 ans de votre école ». Ouais. Et après, tu lis quoi? Tous déguisés. Voilà. C'était pour les enfants, papa. Pas pour les parents. Maman, elle m'a trop foutu la honte. Ça se fait pas ce qu'elle a fait à Jules, elle vient de lui ruiner sa vie sociale. Bah, ça suffit, là, les enfants. C'est pas bien de vous moquer de votre mère comme ça, ça veut dire quoi? Je vous apprends quelque chose de très important. Faut jamais avoir honte. Jamais. D'accord? C'est quand même pas la mère à boire si votre mère est allée à l'école avec des oreilles de chat, enfin. De panthère. Ah, la honte. Oh.
Hey. Oh. Voilà, bouge pas, je m'en occupe, mon amour. Allez, regarde toi. Hop là. Hop là. Voilà. Bah, tu vas les aider là? Bah oui, c'est pour l'exemple. Parce que là, je nous assure une nuit paisible, tu vois. Parce que quand tous ses copains ils vont rappliquer, bah, ils vont voir le cadavre là, tu vois. Donc ils vont se dire, oh là, bordel, c'est horrible, faut se barrer. Ouais, en plus, avec le sang qu'il a laissé un peu partout, là, c'est bien, parce que c'est bien écœurant, tu vois. C'est dégueu. Merci, mon amour. Alors. Je sais pas comment tu fais pour manger des cornichons au petit-déj. Ah, ça me dégoûte. Oh.